D'abord, merci beaucoup à toute l'équipe de l'Espace Éthique pour cette invitation, qui est pour ce qui me concerne la deuxième, effectivement. J'avais beaucoup apprécié la tenue des ateliers, je ne sais pas si vous les aviez appelés comme ça à l'époque, sur la problématique de l'image qui a été présentée ce matin. Je voudrais rappeler simplement rapidement mon parcours pour qu'on puisse comprendre comment je me positionne. J'ai commencé par me former en pédiatrie. Clinique, complètement clinique, et je me destinais d'ailleurs à la pédiatrie clinique. Puis j'ai fait de la radiologie, et donc de la radiologie de l'enfant exclusivement, et j'ai très vite viré vers, enfin non, pas très vite, secondairement, viré vers une activité exclusive de recherche en neuroimagerie clinique à Neurospin, qui est un centre de recherche en IRM neurologique à très haut champ. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à la totalité des présentations de ce matin, donc il y a sans doute des redites. Ce thème de l'image qui décrit la réalité au risque de l'écrire est un thème extrêmement difficile. Il y a bien sûr des parties prises dans ce que je vais vous présenter. Et j'ai repris mot à mot les mots qui sont là, image, décrire, la réalité, le risque et l'écrire. Pour commencer, je voudrais qu'on s'interroge peut-être sur l'image qui décrit la réalité, telle que postulée dans le titre, et voudrais insister en préliminaire sur quelle réalité, au singulier ou au pluriel, quelle réalité de l'image on se pose exclusivement dans le cadre de l'imagerie médicale, bien sûr. Et par essence, l'imagerie médicale a pour but de montrer l'intérieur du corps humain, quelque chose non visible à l'œil nu, le plus souvent mais pas toujours, pour y déceler, y objectiver, y matérialiser une anomalie ou une pathologie. Mais la réalité ou les réalités de l'image sont en fait fondamentalement complexes et on verra qu'elles sont toujours plus complexes. Si cette formation de l'image repose toujours, dans tous les cas, sur l'interaction entre un rayonnement et le corps humain, quel que soit le rayonnement, cette interaction est rendue tangible par une échelle en général de gris, et quand c'est des couleurs, c'est une manipulation parfois pertinente et parfois non pertinente, hein, cette échelle de gris qui crée un contraste visuel entre la reconstruction des tissus projetés sur un papier, un film, un écran, et le tout après de très multiples étapes de traitement physique et mathématique du signal. Or, dans l'histoire de l'imagerie médicale, hein, la multiplication des techniques et leur diversification et leur complexification n'a pas fondamentalement modifié ce principe. C'était déjà le cas avec la radiologie standard et le scanner X aujourd'hui sur le mécanisme d'absorption des rayons X par les tissus. C'est identiquement le cas sur l'interaction des ondes de radiofréquence avec la relaxation des spines de l'eau en IRM. Pareil pour l'imagerie ultrasonore, c'est la réflexion des ondes ultrasonores sur des éléments physiques du corps humain microscopiques. Hein. Bien entendu, tout ce qui est médecine nucléaire avec l'interaction des radiations ionisantes, et puis même la lumière, hein, qui fait son irruption dans le champ de l'imagerie, avec par exemple la tomographie en cohérence optique. Tout ça, ce sont des méthodes d'imagerie clinique. On peut noter d'ailleurs, en plus, que l'humain, trouvant sans doute que ce n'était pas encore suffisant, a introduit la notion de produits de contraste, hein, qui sont ajoutés à l'image, hein, pour en objectiver quelque chose qui, malgré toutes ces techniques, n'est déjà pas suffisant. Certes, dans certains cas, le produit lui-même est inhérent à la technique, c'est le cas en médecine nucléaire, on injecte un produit radioactif, mais c'est également le cas de temps en temps dans des modalités d'imagerie, au départ bien connues avec l'iode dans les rayons X, même avant ça, la baryte dans l'intestin pour faire un lavement baryté et voir la lumière intestinale, l'iode pour les rayons X, les bulles maintenant pour l'échographie ultrasonore, les complexes de gadolinium en IRM, etc. Ceci, rapidement brossé, illustre que plusieurs choses. La première, c'est que on peut combiner toutes ces modalités et que chacune d'entre elles pose une question spécifique. Le deuxième, c'est que chacune d'entre elles a une sensibilité, c'est-à-dire une capacité à détecter, et une spécificité, c'est-à-dire grossièrement une capacité à décrire précisément la nature de l'objet, enfin de la pathologie examinée. Toutes ces méthodes ont des sensibilités et des spécificités particulières.
qui varie en plus en fonction de la question posée et du contexte. Il faut insister, et ce sera important pour la suite, sur le fait que chacune d'entre elles génère également son lot de artefacts, c'est-à-dire d'images indésirables liées à des défauts de la méthode. Dans tous les cas, et évidemment de plus en plus maintenant, vous le savez bien, ça a été longuement discuté ce matin, on doit insister sur, même si ça n'est pas du tout ma spécialité, l'importance considérable de toute la chaîne de traitement physique et algorithmique qui permet la génération d'une image numérique et d'une image composite. Voilà. Donc, finalement, les réalités de l'image sont multiples. En fait, on devrait dire les réalités de l'imagerie ou les réalités des images. Et ces réalités multiples se sont énormément diversifiées, mais vers une complexification qui est de voir toujours plus et toujours mieux. Au départ, en radio standard, si vous prenez le scanner, par exemple, le mécanisme, c'est l'absorption des rayons X par les tissus, et vous avez globalement quatre classes de signal qui résume la composition du corps humain, c'est-à-dire l'os, l'eau, l'air et la graisse, avec des gammes de valeurs numériques qui sont spécifiques à ces paramètres. Aujourd'hui, en IRM, vous le savez, je vous remontrerai rapidement, on arrive à une multiplication absolument extraordinaire de séquences très différentes qui permettent d'accéder à des informations qui sont soit beaucoup plus précises, c'est-à-dire une amélioration de la visibilité, la résolution spatiale, qui par exemple en IRM est passée de plusieurs millimètres à maintenant quelques centaines de microns, et on approche dans certaines configurations d'une imagerie véritablement microscopique, qui est peut-être le futur de l'imagerie clinique, c'est-à-dire autrement dit de la microscopie IRM. L'apparition d'innombrables nouveaux signaux. Ce matin, vous avez vu les signaux de diffusion pour la tractographie. Il y a, avec la diffusion, la capacité de regarder l'architecture des tissus, ce qu'on appelle la cytoarchitectonie, la taille des cellules, leur distribution. Bien sûr, ce sont des estimations. Des informations métaboliques qui sont déjà l'antichambre du fonctionnel, c'est-à-dire des notions de chimie. Alors, mon propos est surtout marqué par l'imagerie cérébrale, hein, des informations de chimie cérébrale, hein, extrêmement importantes, et puis des informations fonctionnelles diverses qui vont de la perfusion à l'activité neuronale, hein, comme vous le savez, par le biais de l'imagerie fonctionnelle. Alors, non seulement on se retrouve avec des réalités qui deviennent multiples et combinées, mais en plus, il y a depuis plusieurs années, et ça ne fera que s'amplifier pour peut-être gagner de l'exclusive, un changement complet une mutation d'une imagerie qui était au départ binaire, oui, non, ensuite était un peu plus, un peu moins, l'hypersignal, l'hyposignal, l'hypoécogénicité, à une imagerie qui devient quantitative, c'est-à-dire quelle est la valeur du coefficient de diffusion dans le noyau gris gauche de ce patient qui a fait un accident vasculaire cérébral il y a 3 heures. Et c'est de ces éléments quantitatifs que l'on sort des ABAC sur une population et qui permettent d'améliorer considérablement l'évaluation pronostique des patients. Alors, je voudrais illustrer, donc on arrive à des éléments de multimodalité, je voudrais illustrer ça avec l'IRM, c'est pas une surprise pour ceux qui me connaissent, hein, et l'IRM à haut champ et à très haut champ, vous savez qu'on passe son temps à augmenter le champ des machines, qu'à Neurospin, j'ai pas trouvé récemment une jolie photo à vous montrer, mais c'est la maquette d'un aimant unique qui est à 11,7 Tesla, c'est-à-dire 10 fois supérieur aux aimants standards d'imagerie abdominale qu'on trouve dans les hôpitaux, et que cette montée en champ est faite pour améliorer le plus possible la qualité du signal que l'on récupère. Sur cette diapositive un peu ancienne, vous avez une comparaison ici, 1,5 Tesla, 3 Tesla et 7 Tesla sur le même sujet.
Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez bien, dans des conditions d'acquisition comparables, de résolution spatiale et de temps d'acquisition, et il ne fait mystère à personne qu'effectivement, plus on améliore les méthodes, plus on améliore la façon dont on les traite, plus on voit de détails dans l'image. Mais je voudrais d'emblée attirer votre attention sur, dans cet exemple, deux choses. La première, c'est que, par exemple, ici, vous voyez une espèce de tache noire, pas de signal, si on peut le dire comme ça. Ça, c'est un artefact. Et cet artefact, comme vous le remarquez, il est plus grand ici que là. Il est plus grand à 7 Tesla qu'à 1,7 Tesla, 1,5 Tesla. Très important dans l'appréciation d'une réalité. Si notre objectif est de s'approcher d'une réalité biologique, notre objectif, c'est très clairement de limiter la totalité des événements indésirables qui obstruent la visualisation de cette réalité biologique. Et ici, clairement, monter en champ génère soi-même des difficultés. Deuxième exemple ou chose que je voudrais vous montrer sur cette image, vous avez ici un ventricule avec des petites veines. Là, les petits points, c'est des petites veines au bord du ventricule. Vous remarquez que plus ça va, plus on les voit. Elles deviennent de plus en plus proéminentes, j'y reviendrai après. Est-ce que ceci est un aspect normal ou est-ce qu'il y a ici une anomalie veineuse? On voit vraiment très fortement ces veines-là. Il y a une phase d'apprentissage importante à ces méthodes, mais la visualisation augmentée du tissu cérébral est un atout considérable. Alors, je vous montre quelques exemples sur la beauté de ces images qui ne sont encore pas les toutes plus récentes, mais ceux qui connaissent un tout petit peu le cerveau apprécieront la beauté des choses. Vous voyez ici par exemple des toutes petites artères extrêmement microscopiques et des veines, qui sont surtout des veines d'ailleurs peut-être, qui sont ici extrêmement visibles et qu'on ne voyait pas du tout sur les imageries intérieures. Vous avez aussi ici, par exemple, les taches noires ici qui correspondent à des amas ferreux dans les noyaux gris centraux et dont on sait que leur corrélation avec l'âge du sujet et son vieillissement normal ou pas est très importante. Vous avez également ici une structure très Ici, complexe dans moi, on laquelle... voit pas ta souris. Je ne sais pas si tu Ah, montres. c'est très ennuyeux. Je pense que tu as une petite flèche en haut à gauche pour sélectionner, je Ah, crois. donc, ah, tu fais bien de me le dire. Alors, je vais essayer. Pardon, oui, effectivement. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Parce qu'elle est Non. bleue quand même, hein, la flèche. Alors, C'est il faut l'excuse. prendre le pointeur. C'est la petite main qui, avec un petit doigt levé, c'est le pointeur. Ah, mon Dieu, je n'aurais pas trouvé ça. Et là? Là? Là, vous Ouais. voyez? Oui, c'est Oui, bon. c'est C'est bon, ça va. parfait. Bon, ah ben heureusement que vous me l'avez dit, effectivement. Bon, ben c'est pas grave, je ne vais pas non plus passer trop de temps. Mais enfin, bon, vous voyez le détail de ces images et ces images nous apprennent de nouvelles choses, mais nous incitent également à une grande prudence sur ce que l'on voit et on y reviendra sur la description de la réalité. Voilà, je ne vais pas des images d'une description extraordinairement précise. Je vous rappelle qu'on est in vivo chez un sujet qui aura passé en tout et pour tout 3 quarts d'heure dans une IRM à 7 Tesla, sans produit de contraste et sans invasivité connue. Alors, il y a un potentiel extrêmement important, bien entendu théorique en tout cas, et je vous le montre ici volontairement, puisque ici il s'agit d'une imagerie animale, à l'idée de voir toujours mieux et toujours plus. Parce que pour le bénéfice d'une réalité clinique chez un patient, clairement, voir les plaques de la maladie d'Alzheimer, hein, c'est un bel objectif. Ici, vous avez une imagerie histologique avec les petites plaques qui sont ici, et ici, vous avez chez cet animal qui est un modèle de maladie d'Alzheimer, ces petites plaques que l'on voit in vivo. Alors, c'est toujours l'exemple qu'on prend pour dire que c'est un graal, à l'idée de voir de plus en plus la réalité biologique d'un patient grâce à notre imagerie. C'est vrai que c'est important, mais on n'y est pas encore. Vous avez aussi l'exemple des petites plaques de démyélinisation de la sclérose en plaques que l'on voit dans le cortex et qui sont actuellement des objets d'études intenses parce que cette réalité d'atteinte non pas seulement de la substance blanche de la sclérose en plaques, mais également du cortex est une réalité qui possiblement rend mieux compte de la réalité cognitive, de la fatigue et des déficits cognitifs de ces patients. Alors, voici un mélange de ce que je voulais vous montrer, puisqu'il s'agit ici d'un projet de Larry Boisière avec Hugues Chabria et Éric Jouvent, un neurospin OCT, où vous avez des patients étudiés ici dans des maladies de CADASIL, et où vous avez un ensemble d'anomalies que je ne vais pas décrire, mais dont certaines sont. Un ensemble d'images, pardon, que je ne vais pas décrire, mais dont certaines correspondent manifestement à des anomalies.
du tissu cérébral et dont d'autres correspondent à des doutes sur une anomalie. Ici, il y a une anomalie du signal qui est certaine. Ici, il y a des espaces périvasculaires dilatés dont la valeur pathologique n'est pas du tout certaine à ce stade, en tout cas pas dans tous les cas. Alors, passons rapidement sur la notion d'imagerie quantitative. C'est extraordinairement important puisque l'imagerie quantitative se traduit d'ailleurs souvent sur les images que l'on voit, qui impressionnent beaucoup le public, hein, par des échelles couleurs. Les échelles couleurs que vous voyez ici, en général, plus c'est élevé, plus c'est rouge, et plus c'est bas, plus c'est bleu. En même temps, d'autres prennent d'autres échelles. Mais cette imagerie quantitative, elle a surtout la particularité de transformer quelque chose qui était une appréciation un peu intuitive et éventuellement discutable en une appréciation chiffrée qui, au moins en théorie, apparaît comme indiscutable. Ici, la valeur est temps. Ici, elle est à 0,55 et ici, elle est à 0,60 hein, et ça ne se discute pas. De cette imagerie quantitative qui, effectivement, améliore considérablement la reproductibilité, pour peu qu'elle soit bien faite, des appréciations que l'on fait sur une imagerie, de cette imagerie quantitative, on trouve des choses assez… on peut sortir des informations assez surprenantes, comme par exemple dans cet exemple de maturation cérébrale, un travail que nous avons fait dans mon équipe, hein, où en gros, de l'imagerie quantitative, on sort des paramètres que l'on peut traduire en semaines de développement. Donc vous avez ici sur cette échelle une question de semaines de développement en matière de maturation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Plus c'est bleu, moins c'est mature. Plus c'est rouge, plus c'est mature. Il s'agit ici d'une étude chez des nourrissons de 3 mois. Et vous voyez ici au niveau des faisceaux de la substance blanche, ici au niveau du cortex, hein, et vous voyez que l'on est effectivement capable de décrire extrêmement finement la séquence de maturation du cerveau d'un enfant. Et donc vous imaginez très bien que chez un patient, on est capable de dire, ou en tout cas d'inférer, que parce que à cet endroit, alors que la valeur devrait être comprise entre ça et ça, s'il n'est pas dans l'intervalle de confiance, ce patient est probablement a manifestement une difficulté à ce niveau-là. Donc, cette imagerie quantitative est très importante, mais il faut bien noter qu'elle s'appuie aussi énormément sur souvent des statistiques. Et donc, on fait une interprétation de la réalité qui est une inférence statistique, probabiliste. Et la caricature de ça, c'est l'imagerie fonctionnelle, en l'occurrence l'imagerie fonctionnelle cérébrale, qui, sur ces cartes que vous connaissez, donc ici un sujet sain, ici un patient qui a eu un accident vasculaire, sur ces cartes, vous voyez en codage couleur une échelle de statistiques qui vous dit que la probabilité que dans cet endroit-là, pendant que l'enfant faisait une tâche de langage, puisqu'ici c'est une tâche de langage, le niveau d'oxygénation sanguin lié à l'activité neuronale a significativement bougé par rapport à un moment où cet enfant ne parle pas. C'est ainsi que l'on voit les réseaux de langage, si on peut le dire comme ça, ici dans l'hémisphère gauche chez un enfant tout à fait typique, qui est droitier, comme c'est le cas habituellement, et ici dans l'hémisphère droit chez un enfant qui a eu un accident vasculaire à la naissance, et vous voyez qu'ici il a effectivement développé un langage qui sur le plan clinique est très pertinent dans son hémisphère droit. Mais attention, tout ça ne sont que des statistiques, hein, et si je faisais bouger les seuils, qui sont, enfin, pardonnez-moi, ils sont différents, il faut donc le regarder, vous voyez ici un seuil dont le maximum est à 6, ici il est à 8, quand on fait bouger les seuils, eh bien, les résultats que l'on sort ne sont pas tout à fait les mêmes. Quelle réalité cela exprime reste donc une inférence à faire ultérieurement. Alors, au final, on se retrouve avec un pattern très complexe comme celui-là, la multimodalité. Alors là, vous avez essentiellement des méthodes d'IRM, mais vous avez également ici des méthodes électrophysiologiques et puis ici des méthodes de médecine nucléaire. Et au final, on se retrouve avec des informations sur le même organe, ici le cerveau, qui sont aussi bien sur la croissance et les formes du cerveau que sur la maturation qui est actuellement évaluée en imagerie quantitative en IRM, que sur la connectivité comme vous l'avez vu ce matin, que sur la fonction en EEG, l'activité en IRM fonctionnelle, d'activité ou au repos et l'imagerie nucléaire. L'ensemble de ces paramètres sont extraordinairement importants pour décrire une réalité qui, heureusement pour nous, est de plus en plus complexe, car heureusement, puisque l'homme ne peut pas être réduit à des paramètres simples,
Pour autant, il faudrait bien tout de suite envisager que, à aucun moment, cette imagerie, même complexe, ne peut se passer d'éléments de contexte clinique, comportementaux, etc. On mesure là, sans doute, le pas absolument gigantesque qu'on a fait à partir depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, et on en est probablement encore au début, entre une réalité qui était vécue ici dans cet exemple, par exemple, que en post-mortem, hein, que ce soit pour décrire l'histologie corticale par Brodmann en début du XXe, que ce soit Broca qui avait besoin des mécanismes post-mortem pour décrire les lésions et les corrélats langage de l'aphasie pour décrire la région de Broca, que ce soit ici les méthodes de dissection qui permettent d'appréhender la substance blanche, et puis on arrive progressivement à des concepts infiniment plus dynamiques, d'une part, infiniment plus holistiques au sens cérébral, et infiniment plus personnalisés, puisqu'on peut maintenant faire des contrastes extraordinairement multiples chez des images, chez des individus dont on peut imager de multiples paramètres composants cognitifs. Aussi, c'était une illustration, si vous voulez, de quelle réalité est proposée par l'imagerie. L'imagerie propose des réalités, elle ne décrit pas des réalités, elle propose des réalités, et finalement la réalité qui est décrite par l'imagerie ne peut être que construite ou déduite que par le médecin ou par, en tout cas, un intervenant scientifique expert. Parce que ces réalités-là, produites par la multimodalité et même en cas de quantification, ces réalités, elles peuvent être aussi bien convergentes, complémentaires et concordantes avec la demande clinique. Dans ces conditions, évidemment, on est assez à l'aise ou relativement à l'aise, elles peuvent aussi être inattendues, divergentes, contradictoires, hein, et à ce moment-là, le risque de décrire une réalité erronée devient élevé. Je voudrais, dans une deuxième partie, hein, insister sur l'importance de la réalité clinique, autrement dit, redire avec vigueur, hein, que l'imagerie, même complexe, même numérique, même algorithmique, même avec l'intelligence artificielle, avec toutes les modalités qu'on veut, ne doit jamais être vécu en disjonction de la réalité clinique. Alors, dans la réalité clinique, on pourra dire la réalité du sujet imagé, parce que c'est valable également, clinique veut dire patient, mais c'est également valable pour un sujet sain. Il y a évidemment la situation que l'on connaît en médecine diagnostique, un patient, un malade, une plainte, on insistera néanmoins de façon préliminaire sur le vécu par le patient. Dans le cadre de l'imagerie diagnostique courante, l'examen a pour but d'objectiver, d'expliquer une réalité clinique existante. De l'expliquer, ou en tout cas d'en donner des éléments explicatifs. Il y a la partie prédiction sur laquelle on reviendra un petit peu, mais quand même. Le vécu de ça me paraît important. Je ne suis pas la plus experte, en tout cas chez l'adulte sûrement pas. Chez l'enfant, on fait intervenir la question des parents, donc mon prisme est vu aussi par l'intermédiaire des parents. C'est que dans notre monde qui est dominé par la puissance de l'image, hein, cette étape d'imagerie est une étape majeure, qui est très souvent vécue de façon anxiogène, d'une part. D'autre part, est très souvent vécue sur un mode binaire, il y a ou il n'y a pas, et qui est très souvent fantasmé quant aux prédictions sur le futur. Et ceci est d'ailleurs en grande partie entretenu par les professionnels de l'imagerie qui disent qu'ils peuvent tout prédire, ou de plus en plus. En fait, même si la situation clinique du patient ne change pas ou n'appelle pas d'intervention, le patient sort de la machine d'imagerie différent de la façon dont il y est entré, quoi qu'il en soit. Parce que il peut y avoir une part de réassurance, on a expliqué mon problème clinique, il peut y avoir de toute façon un changement de statut, j'étais un malade hypothétique, je suis maintenant un malade certain, c'est d'ailleurs diversement vécu, certains sont rassurés en disant ça y est, on a compris, d'autres évidemment en fonction de la gravité de la pathologie sont très inquiets,
J'ai changé de statut parce que je suis passée d'un sujet asymptomatique présumé sain en un sujet asymptomatique mais qui a en fait une pathologie, sans oublier la transformation de statut d'un malade hypothétique à un sujet sain, c'est-à-dire je m'imaginais avoir ceci et cela et je ne l'ai pas. Ce n'est pas forcément toujours plus facile à vivre chez les patients. En plus de ça, l'image décrit une réalité pathologique, mais elle ne décrit pas le plus près de la pathologie. Si on prend quelques exemples simples, hein, un patient suspect de cancer. L'examen d'imagerie authentifie une boule, dit cette boule a tous les airs d'être très maligne, et pourtant, la vraie preuve de malignité n'est quand même donnée que par histologie de la tumeur qui sera prélevée. D'ailleurs, les modalités thérapeutiques évoluent aussi énormément en fonction du prélèvement de la tumeur, ce que l'imagerie aujourd'hui, ce à quoi l'imagerie aujourd'hui n'accède pas. Dans un autre exemple, dans le suivi de patients avec cancer, hein, l'imagerie répétée permet des mesures de volume qui indiquent l'efficacité du traitement. Et pourtant, donc si ça grossit, c'est que le traitement échappe, et enfin la maladie échappe, et que si ça diminue, c'est que ça va mieux. Et pourtant, nombreux sont les cas où la tumeur commence par grossir sous l'effet du traitement avant de régresser. À l'inverse, est-ce qu'un examen négatif est rassurant à 100%? Eh bien, évidemment, non, puisqu'on peut avoir regardé ailleurs que là où il fallait, parce qu'on peut avoir utilisé une modalité qui n'est pas suffisamment sensible pour visualiser cette tumeur, ou parce que cette tumeur peut être tellement petite qu'elle est effectivement inaccessible à nos modalités actuelles d'imagerie. C'est pour ça que la réalité qui est proposée par l'image, à mon sens, ne prend corps que dans l'interprétation médicale. L'image décrit une approximation de la réalité, et cette réalité, elle est approchée par l'interprétation médicale, et que cette interprétation médicale doit rejoindre la réalité clinique du sujet, de sa maladie et de tout un tas d'autres arguments, ce qu'on appelle le faisceau d'arguments en médecine, c'est-à-dire la biologie, la génétique, et les explorations, fonctionnelles diverses. Au-delà des aléas techniques, les artefacts, etc., cette étape interprétative rend malheureusement possible toutes sortes d'erreurs d'interprétation qui peuvent écrire malheureusement une nouvelle réalité pour le patient, d'errance diagnostique par exemple, disjointe de la situation clinique, hein, et impose sur le plan de la pratique professionnelle de respecter avec beaucoup de rigueur les éléments habituels de l'expertise professionnelle sur la courbe d'apprentissage, la reproductibilité, obtenir un consensus et confronter des avis de multidisciplinarité. Alors, on était dans une situation du patient, l'imagerie médicale habituelle. Après, il y a la question donc de la prédiction. Alors, je me suis replacée non pas dans la prédiction du cancer parce que je ne le connais pas bien, mais dans la prédiction en pédiatrie et par exemple pour le diagnostic prénatal. L'importance de la réalité clinique pour la prédiction, elle devient plus difficile. En diagnostic prénatal, il n'y a pas de vraie réalité clinique. La plupart du temps, on est dans une forme de dépistage. Parfois, il y a effectivement des anomalies de la grossesse, mais et on est obligé donc effectivement d'utiliser des arguments probabilistes de la littérature, de l'expertise scientifique, de l'importance de la médecine fondée sur la science et sur les données, et de l'importance tout à fait notable de formuler et de formaliser l'incertitude que l'on doit en toutes circonstances formuler auprès des parents ici, oui, c'est ça, des futurs parents. J'ai pris l'exemple de la génésie du corps calleux. Vous avez ici quatre exemples de quatre enfants. Alors ça, ce n'est pas du prénatal, hein, c'est des enfants déjà nés. Vous voyez ici un enfant contrôle avec ce corps calleux qui est donc la commissure qui rejoint les deux hémisphères, hein. Et puis, vous avez ici trois variantes de plus en plus sévères en allant vers la gauche d'anomalie du corps calleux. Ici, il est petit. Ici, il en manque tout un morceau. Et ici, il en manque la totalité. Et c'est une anomalie dont on parle très souvent parce qu'en fait, il se trouve que ces enfants, pour une bonne part d'entre eux, vont plutôt bien. Ils ont des comportements, des développements qui sont très proches de la normale, voire normaux. Et si vous regardez des groupes entiers, ils ne se différencient pas fondamentalement du développement normal d'un enfant qui aurait un corps calleux complet.
Pour autant, il y a bien entendu une proportion non négligeable de ces enfants qui ont un déficit cognitif, un retard de développement tout à fait important. Et c'est extrêmement intéressant parce que finalement, ce qui démontre, c'est que ce n'est pas essentiellement l'absence complète de corps calleux comme ici qui détermine si l'enfant va ou pas avoir des troubles du développement. Et en l'occurrence, cet enfant-là, un développement cognitif tout à fait correct. C'est en revanche des anomalies qu'on ne voit pas ici, et d'ailleurs qu'on ne voit pas bien, qui sont des anomalies associées à la génésie du corps calleux et qui elles-mêmes déterminent le pronostic. Autrement dit, dans le diagnostic prénatal des anomalies du corps calleux, on peut être très ameuté par une image comme celle-ci et on peut se retrouver pour autant dans deux situations radicalement différentes. L'une où l'enfant va aller tout à fait correctement bien, et l'autre dans lequel il y aura un retard majeur de développement parce qu'il y a des anomalies associées qu'il faut rechercher de façon importante. Deuxième exemple issu de ma pratique du jeune enfant, voici ici en rouge, en vert et en bleu, en vertical, vous devez le voir ici, mais normalement la diapo est animée, elle ne l'est pas là, des nourrissons ici, nouveau-nés, qui ont tous eu des accidents vasculaires à la naissance, vous voyez les aspects noirs, et je les ai volontairement choisis volumineux pour que ce soit parlant, ici il est en blanc mais c'est la même chose. Et vous avez trois évolutions tout à fait différentes de ces enfants, avec ici un enfant qui n'a pas d'anomalie motrice, qui a un peu des troubles du langage, mais qui parle extrêmement bien et qui n'a pas trop de problèmes. Ici, vous avez un enfant qui a une hémiplégie et qui a quand même des troubles du langage, mais une communication qui est tout à fait satisfaisante. Et là, alors que vous avez un accident vasculaire cérébral tout à fait important, à 7 ans, vous avez une jeune fille qui est absolument dans les normes du développement normal, que ce soit sur le plan de la motricité ou du langage. Cette prédiction que l'on essaye de faire, alors pourquoi prédire l'avenir chez un enfant chez lequel de toute façon, vous me direz, on ne peut rien faire contre cet accident vasculaire? Eh bien si, il y a une importance considérable à prédire dans quelle catégorie a priori cet enfant va se situer afin de mettre en place des méthodes de rééducation et précoces et les plus complètes possibles, les plus adaptées possibles. C'est tout à fait fondamental. Il est donc clair que quand on regarde en pratique clinique trois images de ce type-là, certes, nous faisons tout un tas de travaux pour essayer de pouvoir informer les parents le mieux possible de, en gros, les catégories dans lesquelles les enfants vont se situer, mais nous ne sommes pas du tout capables, à ce stade, de véritablement prédire la trajectoire de l'enfant. Et heureusement, car bien entendu, chacun comprendra combien il est au moins aussi important de ne pas réduire une lecture de la vie de l'enfant à une lecture lésionnelle précoce, plutôt à toute la mise en place d'un environnement affectif, éducatif, rééducatif, prolongé, approprié, pour accompagner l'enfant vers le meilleur de lui-même. Dernière situation, en l'absence de réalité clinique, qu'est-ce que décrit l'imagerie? Donc, un sujet sain asymptomatique dans une situation du dépistage. Alors là, on se trouve effectivement dans une situation que moi je connais un peu moins bien, mais qui pose très très clairement les limites entre le normal et le pathologique. La situation la plus fréquente qui a été évoquée, j'ai bien entendu quelques minutes de l'intervention d'Anne Taïeb sur le dépistage du cancer et du cancer du sein, mais aussi bientôt du cancer du poumon, si j'ai bien compris. Un dépistage qui est systématique au vu des bénéfices espérés, des bénéfices obtenus d'ailleurs, un dépistage qui est régulier, donc une échéance calendaire qui revient de façon... Avec une particularité qui est que le sujet qui se soumet à ce dépistage, dans sa situation personnelle, choisit de se mettre en situation de ne plus être un malade psychiatrique. Ce qui différenciera de la dernière partie qui sont les incidentalomies. Voilà, l'irruption d'une anomalie sur l'image, décrite par l'image, génère une réalité nouvelle du patient qui ne trouve pas son correspondant dans la réalité actuelle du sujet, mais qui écrit une réalité future, notamment si le cancer est confirmé. En même temps, et je ne m'étendrai pas, une image dans le sein n'est pas toujours un cancer, un nodule pulmonaire n'est pas toujours malin, certaines anomalies sont surveillées sans intervention au prix d'un stress et de contraintes supplémentaires et parfois d'investigations invasives complémentaires. Ici, plus encore qu'en imagerie diagnostique chez un patient, l'importance de l'avis rendu justifie pleinement l'exigence d'apprentissage, d'expertise, de double lecture et de consensus interprétatif.
d'où l'organisation systématique de la double lecture dans le dépistage du cancer du sein. Enfin, en l'absence de réalité clinique, ça rejoint ma pratique aujourd'hui, c'est la découverte d'anomalies fortuites, incidentalomes, comme M. Lucieri en a parlé ce matin, mais dans ma situation, en cas de participation des protocoles de recherche, qui amène effectivement à cette modification très importante du statut du sujet qui s'est prêté là, en sachant que là, le sujet n'est pas venu pour se mettre en situation d'un dépistage. Il subit le dépistage. Et nous nous sommes beaucoup interrogés sur la meilleure option, la meilleure pratique pour ce dépistage. La première chose sur laquelle nous avons fait consensus, c'est qu'il est indispensable, absolument sur le plan éthique, indispensable que le sujet qui n'est pas un patient, qui vient pour un protocole de recherche, ait donné son accord sur le fait que, comme des images vont être générées, nous allons faire un dépistage et nous l'informerons si nous trouvons quelque chose. Cette information et cet accord du patient sont consubstantiels à sa participation au protocole. Et dans notre pratique, un individu qui ne voudrait pas savoir ne rentrerait pas, tout simplement pas dans le protocole. La deuxième conséquence pratique, elle est évidente, c'est que dans tous ces protocoles, dans tous ces protocoles, il est absolument nécessaire de se mettre en situation technique, d'avoir un dépistage. Donc, nous devons avoir des radiologues indépendants qui revoient les images qui sont acquises. Bien sûr, ça pose le problème le normal et le pathologique, avec notamment la question principale qui est, y a-t-il besoin d'aller faire une IRM diagnostique, puisque nos IRM sont des IRM de recherche, y a-t-il besoin d'une consultation spécialisée? Alors, nous avons finalement pris deux catégories simples. Soit l'anomalie est certaine, on le propose au sujet, une prise en charge, on lui donne un circuit, on lui dit « si j'étais vous, j'irais là, je verrais monsieur ou madame machin » et on l'envoie se faire prendre en charge sur le plan médical. Et après, on rentre dans la catégorie évoquée ce matin par monsieur Luciani, des incidentalomes chez des patients. Je vais vous montrer quelques exemples. Et puis, nous avons la question des anomalies mineures, où on se demande si ce sont des variantes du normal. Et dans ces conditions, quelle est l'attitude que nous devrions avoir pour décrire une réalité de quelqu'un qui est venu pour un protocole de recherche et pas parce qu'il se plaint de quoi que ce soit. Alors, une des situations fréquentes où on est certain que c'est une anomalie vraie et éventuellement problématique, c'est la découverte fortuite d'un cavernome cérébral, qui est une petite malformation vasculaire, qui est asymptomatique dans l'immense majorité des cas, en tout cas au début, et qui a cette particularité de mettre le sujet au risque de faire un très gros hématome par saignement de cette anomalie. Il y a des protocoles thérapeutiques possibles, mais on conçoit qu'ils sont invasifs, ou en tout cas qu'ils peuvent l'être, et il y a une balance bénéfice-risque à intervenir sur ces anomalies. En pratique, nous, de notre point de vue, en tant que protocole de recherche chez des volontaires sains, la situation est simple, ce patient est un malade et il faut le confier à nos collègues. Donc, de notre point de vue, c'est relativement simple. Un autre exemple qui est plus ambigu, c'est cette petite fille que j'ai vue, donc, qui rentrait dans un protocole de neuroéducation, autrement dit, enfin, voilà, un protocole de recherche cérébrale pour évaluer les effets de l'éducation au CP. Et cette petite fille qui ne se plaint d'absolument rien, a une anomalie importante de la charnière ici, avec un cervelet qui rentre dans le trou occipital et surtout donc une grosse cavité dans la moelle, là, ici, qui est quelque chose qui est suffisamment gros pour qu'on puisse penser que ça ne restera pas asymptomatique durablement. Et évidemment, ici, on est dans une situation, on est sûr que l'anomalie est pathologique, mais la jeune fille est asymptomatique. Et il est hautement probable que si l'on ne fait rien, de toute façon, la jeune fille aura des symptômes, douleurs, scoliose et déficit neurologique. Et donc, en pratique, se pose la question d'une chirurgie préventive. Dans cet exemple, je dois vous avouer que le chirurgien à qui nous l'avons confié, pour le moment, la surveille et ne l'a toujours pas opérée parce qu'elle est toujours strictement asymptomatique et qu'elle a maintenant quelques années de plus. Pour finir vers la dernière catégorie, qui est
difficile, quelle réalité clinique ça décrit. Il y a des images qui sont authentiquement bizarres, on peut pour le moins le dire. J'ai pris deux exemples, ici un scanner, ici une IRM. Vous voyez des veines extrêmement proéminentes ici, très importantes, dans le cervelet de ce sujet qui est un sujet sain. Ça rentre dans la catégorie des anomalies veineuses développementales, hein, dont a priori, on sait que dans l'extrême quasi-totalité des cas, ça n'est jamais symptomatique. Alors, que fait-on de cela? Est-ce qu'on dit rien au sujet en lui disant, ben, voilà, très bien, voilà. Et puis, ou est-ce qu'on lui dit, oh, vous avez vraiment des veines bizarres dans le cervelet, mais vous inquiétez pas parce que ça va bien se passer? Voilà, c'est une vraie question. Alors, nous avons, nous, choisi plutôt d'informer le patient avec des choses factuelles, des choses simples, de lui donner des documents. Et la motivation que nous avons pour cela est que si ce patient, ce sujet, pardon, qui est un volontaire sain, avait un jour, je ne sais pas, tombé de vélo, avait besoin de faire un scanner, avait n'importe quoi, qu'on optimise les chances qu'il puisse dire « oui, je sais que j'ai une image bizarre à l'intérieur de mon cervelet, on me l'a dit, ça fait longtemps que c'est là, et voilà ». Alors, il y a d'autres exemples ici. Il y a le problème de la malrotation hippocampique sur laquelle on a beaucoup discuté. Et je voudrais terminer par un exemple de nouveau, hop là, voilà, qui est la question des kystes arachnoïdiens. Alors, le kyste arachnoïdien, c'est une poche de liquide qui n'est pas dans le cerveau, qui est autour du cerveau, qui est entre le cerveau et la boîte crânienne. Hein. C'est extrêmement fréquent, c'est plus ou moins gros. Il y en a des tout petits. La plupart d'entre eux sont comme ça, là. Alors ici, il s'agit d'une fillette de 8 ans qui est venue pour de la recherche et de la recherche cognitive. Donc, je peux vous garantir que sur le plan cognitif, on a fouillé, elle est absolument typique pour son âge. Hein. Et puis, elle a un gros kyste arachnoïdien là. Il est évident que c'est anxiogène pour les parents, une chose comme ça, quand on sait que dans quelques pourcents des cas, il peut y avoir un saignement et dans quelques pourcents des cas, il peut y avoir des crises d'épilepsie. Mais dans l'immense majorité des cas, il n'y a rien. Et en tout cas, une chose est claire, il y a un consensus sur ce genre d'anomalie. Il n'y a pas d'intervention chirurgicale. En revanche, ici, la même chose, un autre kyste arachnoïdien, il s'agit d'un nourrisson de 7 mois qui vient parce qu'il a vraiment une très grosse tête. De fait, il a une vraiment très grosse tête, il a une énorme poche de liquide autour de son cerveau qui repousse, comme vous le voyez, considérablement, mais c'est un nourrisson qui, pour le moment, se développe bien. Ici, il a été jugé, d'ailleurs, vous le voyez, c'est ici, il a été jugé qu'il n'était pas raisonnable de laisser ce kyste arachnoïdien évoluer et il a été dérivé, à ma connaissance, et surveillé sans difficulté. Ces réalités qui sont décrites par l'image sont interprétées en fonction des contextes, c'est extrêmement important. Voilà. Pour essayer de conclure, mais ce n'est pas une conclusion, résister à la tentation et l'histoire illusoire de la toute-puissance de l'image qui décrit la réalité, même si l'amélioration de la puissance des outils d'imagerie a révolutionné et continue de révolutionner la médecine, hein, cela fait bouger nos lignes, d'une part en évolution des limites entre la physiologie et la pathologie, d'autre part, si l'objectif est de s'approcher au plus de la réalité biologique du sujet, il n'y a pas que la réalité biologique d'un sujet, parce que ça questionne évidemment de façon très globale les relations que nous voyons évoluer dans les rapports entre la notion de santé et de maladie, telle que l'OMS peut le décrire. Et cela impose clairement de remettre au centre de la démarche soignante la réalité individuelle de chaque patient, qui ne se résume pas à sa biologie, à sa génétique et sûrement pas à son imagerie, avec deux conséquences pratiques vraiment considérables. C'est la qualité de l'information et de l'interaction avant et après l'examen d'imagerie, et d'autre part, la mise en capacité du sujet de prendre lui-même sa vie en main. C'est une très mauvaise explication à la française pour dire l'empowerment des anglo-saxons. Voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Lucie, pour cette présentation extrêmement claire, extrêmement complète sur les différentes questions autour du lien entre imagerie et réalité. Ce que je propose, c'est qu'on passe directement à la présentation de Julie Cheminot et qu'on rassemble les questions à la fin pour les deux présentations.